Bonjour YouTube, le jeu s'appelle Wavetail. Ça sort d'ici 2 semaines, je crois, si j'ai bien compris. Et on m'a dit, t'as le droit de le montrer ce matin, mais t'as le droit de le montrer que jusqu'à un certain point, et le certain point, il pourrait tenir en une demi-heure ou une heure et demie avant d'y arriver. Mais bon. Donc c'est parti. Le 12 décembre, très bien. Oui, ben le 12 décembre, c'est grosso modo 2 semaines. C'est parti. Adaptative musique. Ouh. Alors, est-ce qu'on peut mettre le jeu en français ? J'ai lu que le jeu était en français. Language, texte, French, merci. Audio, nous avons... Ah, on peut avoir des audios français aussi. Écoute, c'est parti. Vérifions déjà si... Ah, on a des options d'accessibilité. C'est une bonne nouvelle aussi. C'est parti. Il y a des poissons. Alors, je sais... Visiblement, ça ressemble à un jeu un peu action-aventure. Généralement, légèrement Zelda-esque. On va voir. Je sais juste que j'ai vu des trailers que c'est une direction artistique de taré. Ils disent que l'océan est immense. Et que je vais me taire. Je n'en suis pas sûre. Pour moi, il se termine toujours à l'horizon. Là où l'eau croise la brume. Je rêverais de voir ce qu'il y a derrière cette ligne. Au-delà de notre île et de la place. Grand-mère dit que c'est notre sanctuaire. Que le phare nous protège. Mais une partie de moi veut plus. J'ai du mal à imaginer qu'un jour le monde a pu être différent. Oh, le piaf. On pouvait ouvrir la porte, sortir dehors et juste aller où bon nous semble. Mais c'était avant la brume. Il est tellement mignon et vénère en même temps. Avant que les pattes sales fassent leur apparition et nous arrachent tout ce qu'on possédait. Bonne forest. On a toujours un sacré lever de soleil, cela dit. C'est vrai. J'imagine que les pattes sales n'ont pas trouvé de moyen de nous en priver. Oui, il est un peu sous clé, Blue Carrot, hein, je suis d'accord. Ah, mesdemoiselles ! Comment ça, mesdemoiselles ? C'est pour une réparation, je suppose. Ouais, c'est pour Ursula au triplet somnolent. Un condensateur qui fuit, ou un truc du genre. Ils m'ont dit que vous sauriez. Elle l'a encore cassé ! Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec ? De mon temps, on savait prendre soin de nos affaires. Oui, peut-être pas les balancer du bateau sur le quai du 12e étage. Crabe dans le panier. Bonjour, monsieur Bane. Y'a rien d'autre à faire, Bane ? On a du boulot ici. Je devrais y aller. La brume se rapproche. Au fait, Doris, vous avez parlé à quelqu'un récemment. D'après toi, qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant ? Il paraît que les pattes sales ont été vues autour de la place. Je les ai pas vues moi, mais... T'essaierais pas de me faire une blague ? J'aimerais bien. Faites attention, d'accord ? J'ai pas attendu que tu sois né pour faire attention, Bane. Oh, je l'adore, la vieille. Allez, ouste ! Ça empeste ! L'air est complètement saturé de mélasse. Ah, il va nous falloir plus d'étincelles pour tenir cette brume à l'écart. La vieille, c'est ma main, hein. Je l'annonce. Et n'oublie pas, n'y touche pas avec tes mains, serre-toi uniquement du filet ou elles brûleront mes mains, exactement comme avec grand-père. C'est pas ma première fois, grand-mère. C'est pas pour autant que tu sais tout, ma crevette. Moi, je te le dis. Alors, qu'est-ce que tu attends ? J'ai vu des étincelles sur la plage tout à l'heure. Jette aussi un œil à la fontaine et au mémorial de ton grand-père. D'accord. Il en reste qui traînent dans les recoins du phare. Ne laisse pas prendre la poussière. Alors. Étincelle vers le phare, très bien. C'est parti, on va aller... Alors attendez, vers le phare, 2 secondes. Le phare c'est là, hein, où je pars où, moi. Oh, bouton de course, d'accord. Joli. Après ils ont dit vers le phare, c'est peut-être pas forcément... Je sais même pas ce que je cherche, en fait. Je cherche des étincelles. Il suffira d'une étincelle ?
Décidément, c'est le mot-clé de la médaille. Ah, ça doit être ça, peut-être ? Non, c'est un journal. Pas une cafetière, c'est un microphone. Est-ce que c'est ça ? Oui. Oh. C'est maintenant que tu me le dis. Une de trouver. Donne un bon coup dessus. Ça devrait alimenter ta batterie, Nico. C'est comme si elle croyait que j'avais fini non, avec. Non, mais j'ai l'impression qu'on tue des trucs super mignons. C'est bizarre. Je me demande pourquoi. J'irai jeter un œil avec Anita quand on aura fini. Je croyais que tu comptais pas la sortir avant de l'avoir repeinte. Ah, nous n'avons pas toujours le choix, Siggy. Il y en a là devant. J'en vois. Ils sont en train de faire des jump-jump là devant. Alors, j'ai déjà trouvé la touche pour planer, j'ai aussi trouvé la touche pour sauter. Je... En fait, je suis un peu en train de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'aime pas ça ! J'aime pas ça ! Étincelle vers la fontaine. C'est ça, du coup ? Parce que là, on est à la fontaine. Ah oui, attendez, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce que... Est-ce que j'ai un double saut ? Oui. Je suis un peu en avant sur les tutoriels. Les déplacements sont très agréables pour l'instant. Hop. J'ai trouvé celle de la fontaine. Tu ne l'as pas escaladée, hein ? Ça a non. Une définition quand on fait ça. Hein ? Jamais de la vie, je fais une chose pareille. Ça. C'est une chose qu'Iris faisait tout le temps quand elle était petite. Maman ? Elle s'amusait souvent ici ? Sigrid, j'ai pas le temps de papoter. Va récupérer tes étincelles. On pourrait quand même papoter du ma mère, tout ça, le... sa mort tragique. Non, visiblement pas, d'accord. Journal. Oui, d'accord, mémorial. Ok, oui, compris. Par là-haut. Oups. Non. Voilà, ça c'est la suite du stream. C'est la suite du stream jusqu'à 15h à peu près. C'est moi qui essaye de faire deux sauts ridicules en boucle. Ok, j'ai trouvé celle du mémorial. Grand-mère, c'est joli, pourquoi il n'y a pas de stèle pour maman ? Les stèles sont pour les morts. Mais elle a disparu depuis tellement... On n'en sait rien. Que tu as aujourd'hui ? Arrête de papoter, va récolter. Méduse dans Hollow Knight qui ont le revenge électrique. Il faudrait un jour que je termine Hollow Knight. Mais j'ai lu un truc il y a quelques jours sur Twitter qui m'a effectivement fait ressentir un petit peu ce que je pense de Hollow Knight. C'est que c'est un très bon jeu, mais j'ai du mal avec les Metroidvania où tu n'as pas de carte, en fait. Mais t'as une carte, mais il faut la faire... Oui, non, mais je sais, mais c'est compliqué, en fait. Je me paume trop dans Hollow Knight. Je me paume tout le temps. Bon, il y a aussi le fait que je suis mauvais. Ça participe. Il y a aussi le fait que je suis vraiment pas doué en jeu vidéo. Mais, à part ça... parce que je suis certain que bon, c'est pas le motif principal. Je pense que c'est moi, il n'y a pas de son de... Je pense que c'est tout pour la plage. Tu n'es pas en train de t'approcher trop près de l'eau, hein ? Juste pour les... Je suis d'accord, Sinel. Mais non, toi, tu n'es pas nul. Tu es excellente. Tu es la meilleure joueur d'FF14 de tous les Orsia. Si tu y mouilles plus que tes pieds... Je sais. Ouais, vous savez ce qui me perturbe ? Il n'y a aucun effet sonore quand on saute. Il n'y a aucun effet sonore quand on tape. C'est bizarre quand même, non ? Attendez, c'est moi qui ai loupé un truc dans les paramètres ou... Bon, après, c'est le genre de choses qui va peut-être être patché encore, hein, mais... C'est une exclusivité temporaire First on Stadia. Donc, retournez voir la grand-mère. Ah oui, mais en plus j'ai un petit marqueur d'objectif, je l'avais même pas vu. Welcome, my name is Aveugleman. Ah, ça devrait aller. Bonjour Kaïd. Avec cette brume en approche, on a besoin de beaucoup d'énergie. Grand-mère, c'était quoi cette histoire avec les pattes sales ? Oh, j'aimerais tellement que tu vives dans un monde où cette vermine n'existe pas. Ok, Kenny West. Ils sont vraiment de retour ? Si c'est vrai, il faut se tenir prêt à verrouiller les écoutilles.
Mais dans le design, Hollow Knight, c'est un jeu que j'adore, mais alors par contre, y jouer, c'est très compliqué. Et par contre, dans le design, celui-là, je l'adore aussi. Ah oui, la vache! Oh, joli effet. Joli effet, le reflet dans les lunettes. Ça, c'est vraiment le genre de truc dont je suis très fan. Non, mais ça va bien se passer. Bonjour. Bonjour. Maman. Bon, bah, un peu court, mais pas désagréable. Vraiment. C'est Wavetale, ce sera donc... Ah non, ah, pardon. Un jour, ça arrêtera de me faire rire, comme, comme Ben, je vous promets. Je vous promets qu'un jour, ça arrêtera de me faire rire. C'est incroyable à quel point ils sont arrivés à rendre les visages expressifs avec ce style graphique. Je trouve ça vraiment très réussi. Ce qu'ils ont fait avec les yeux et les visages des personnages, c'est vraiment super intéressant. Parce que c'est à la fois un peu low poly, mais à la fois ils sont arrivés à rendre des trucs extrêmement expressifs. Bah ben alors, on prend son pied. Faute de prendre ton pied, tu prends celui des autres, on le connaît. Ça partirait par là, mais c'est intéressant, dites donc. D'accord. Et du coup, maintenant, on peut marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire éteindre les chevaux du plaisir. Oh oui, 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 oui. Attendez deux secondes. Oh, je vais prendre deux secondes, je vais me taper un petit triple. Oui. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. Ok, d'accord. Très bien. Mon nom est Alten Ferragun et je supporte ce jeu vidéo. Oui. Est-ce qu'on peut loquer les monstres? Ce serait une bonne nouvelle. Ah, ça c'est les sans cœur, c'est comme dans Kingdom Hearts, mon jeu préféré. Vous savez ce que j'aime comme jeu vidéo? Moi, c'est Kingdom Hearts. C'est mon jeu préféré de tous les temps. Parce que tu as des Kingdoms et des Hearts dedans. La mort venue des cieux! Non. Tu viens de tabasser ta mère! Tu es blessé? Oui, quelqu'un vient de me tabasser avec une canne. C'était... Ça ne présage rien de bon. Je n'aime vraiment pas ça. Est-ce que tu pourrais lui parler à elle directement? Est-ce que tu pourrais lui parler à elle directement? Oh, tu es toute pâle, ma grande. Oh, c'est juste... comment dire... C'est Anita? Est-ce qu'elle a chaviré? C'est pas le bateau. Viens voir. D'accord, donc nous, on n'est pas mortes. D'accord, très bien. Recule, Siggy! Je vais sortir le harpon! Non, c'est pas dangereux. Ça m'a aidé à te sauver. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, en fait... Regarde. Sigrid, mais t'es devenue folle! Il nous faut plus d'étincelles, grand-mère. Je peux aller en chercher. Il n'en est pas question! Je risque rien. C'est pas une question, en fait, Josiane. Là, on est vraiment dans la merde. Techniquement, je suis pas dans l'eau, mais dessus. C'est normal comme bruit. Pas le choix. Ah, d'accord, très bien, vas-y. Mais ne t'y habitue pas trop. Alors. Appuie sur R2 pour surfer plus vite. Way over there, buddy. Putain, mais avec le truc de planer en même temps, c'est... Je veux dire, t'es arrivé en même temps que ces monstres. Mais d'où?
Ou alors le truc c'est que c'est censé sortir du haut-parleur de la manette et j'ai désactivé des machins, c'est possible aussi. Oh la zic. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors. La sensation quand on se balade sur l'eau est vraiment incroyable en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? Bonjour ! Hey ! J'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un dans le pack. Pardon. J'ai cru voir quelqu'un courir sur l'eau, mais je croyais que j'étais juste sorti de... Oui, bonjour. Tu es surfeuse ! Ben, écoute, Ravenhild, je ne suis pas sûr de cette information. Virgule. On m'a dit... Alors, il faut arrêter de jouer à un point très précis du jeu, où subitement, vous pouvez pas vous tromper, tout va devenir beaucoup plus sombre sur votre écran. Mais c'est génial, ce qui vient de se passer, là. D'accord, donc c'est avec R1, tout bêtement, en fait. On s'agrippe sur les zones avec R1. Ok. Good. Je peux voir un paquet de mini étincelles là-bas. Ces petites sardines risquent pas d'alimenter une machine. Donc je ne sais sincèrement pas, et on le saura pas ce matin. Virgule. Il se pourrait quand même que ça se puisse. Je vais pas te mentir. Il y a un mot sympa de mémoire, mais je sais pas si ça concerne une consigne. Alors comme dit, je ne sais pas non plus. Mais pareil, on retournera sur la version complète une fois qu'il sera dispo, parce que je crois que j'aime beaucoup ce jeu, en fait, pour l'instant. Allez, hop. Oh oui, en plus, tu fais les petits... Mon Dieu, mais c'est génial. On sait si on peut l'espérer sur GOG. Je n'ai pas l'info, mais je vais vérifier si je l'ai. Voilà, Paul Bas. Je vais regarder ce qu'il y a dans les mails qu'on... Enfin, dans le petit message qu'il y avait avec le truc. Je te dirai ça tout à l'heure. Je vais aller jeter un oeil. La sensation de vitesse est vraiment très cool. Et la sensation de liberté quand on navigue sur les flows est vraiment dingo, en fait. C'est... En fait, ça me rappelle un peu de Journey. Quand on navigue sur les... J'utilise des générateurs pour alimenter les appareils qui sont reliés. Carré pour alimenter les générateurs. Vous savez le truc de quand vous êtes sur le sable dans le journée et que vous vous baladez de coin en coin, mais en mécanique de jeu. Câble d'étincelle filmé une fois activé, celui-là pour voir mon énergie. D'accord. Avec un petit côté Tearaway aussi. Pour ceux entre vous qui se souviennent peut-être de Tearaway, qui était un excellent jeu Vita. Qui est sorti aussi sur PlayStation 4, me semble, en remake. Et qui avait un peu un style graphique dans ce genre-là. Oui, alors. Je plane ! Ah, c'est un succès critique, mais du coup, c'est un peu gênant. Très bien. Allez, facile. Et... Alors, Siggy, tu as fini ? Pas encore. Siggy ? Elle m'appelle Siggy. Je suis folle de lui. C'est un garçon que pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Ce que je veux dire, c'est que tu me mets la pression. Est-ce qu'au moins tu sais ce que c'est un citron ? J'ai juste entendu Bane dire ça un jour. Oublie. Qu'est-ce qui t'arrive à parler de fruits de cette manière ? T'es sûr que ça va ? Bien, on ferait mieux de mettre de l'ordre dans tout ça avant que tu te presses trop le citron. Alors c'est pareil, moi si jamais un jour vous m'entendez commencer à parler de légumes de manière très insistante, sans doute que mon esprit a été possédé, donc voilà, méfiez-vous. Faites quelque chose. Faites quelque chose de manière très urgente.
Genre, ah là là, qu'est-ce que je mangerais bien des choux de Bruxelles ce midi. Putain, j'ai vraiment envie de choux de Bruxelles. Oh, j'ai une vraie passion pour les choux de Bruxelles. Disons. Vous savez ce qui est délicieux, les choux de Bruxelles. Bonjour, 16 Blue Mickey. Si jamais vous m'entendez dire ça un jour, appelez la police immédiatement. Je suis un grand danger. Oh putain, vous savez ce que je mangerais bien ce midi. Une tarte à l'oignon. Voilà. Si vous m'entendez dire ça, vite, appelez la police. Je suis en danger vital. Mais non, mais... Si, allez, ça passe. Alors, c'est pas que j'aime pas la pisse à dire, c'est que je suis très allergique à l'oignon. Je pense que j'ai tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que je fais maintenant? Dépêche-toi de rentrer, que l'on puisse remplir le réservoir. Je fais ce que je veux, t'es pas ma vraie grand-mère. Ma vraie grand-mère, elle est morte dans un accident de deltaplane quand j'avais 19 ans. Ok. Par contre, il y a des drops. Ah, alors je crois que les drops viennent de la capture en fait. Je crois que les drops sont dans la grande collection des problèmes techniques que j'ai ce matin. Alors attendez, 2 secondes. On va faire un truc et je suis certain que ça va bien se passer. Parce que qu'est-ce qui pourrait mal se passer d'un point de vue technique ce matin sur ce stream? Réponse? Rien du tout. Donc on va faire ça. Ok. Ensuite. Hop. Et on va voir si ça résout pas le problème par le plus grand des hasards. Parce qu'il me semblait déjà pendant The Crew qu'il y avait eu quelques drops, mais comme vous me disiez rien, je me suis dit bon bah en fait ça doit peut-être être juste de mon côté. Parce que The Crew normalement c'est du 60 FPS ultra fixe, hein, Mais il me semblait qu'il y avait eu quelques drops déjà pendant The Crew. Bref, on va voir. Ok, donc 1, je viens de trouver la barre de vie. 2, ne pas faire ça. Le jeu est très beau. Le jeu est vraiment très très beau. Allez remplir le réservoir à étincelle. Et bonjour Gink. Excuse-moi, mais comme t'as dit coucou Jésus, je n'avais pas compris que tu t'adressais à moi, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je suis le Christ rédempteur. Effectivement, je... La DA est dingo. La DA est vraiment très réussie. Ok, donc les PV se rechargent. Je marche sur l'eau, bon, je marche sur la terre aussi, hein, personne n'en parlera. Aïe! Bien! Un achievement. Il y a bien qu'on a réussi à repousser la ménage jusque là de la place. Alors plus d'énergie pour libérer le reste des îles. Tiens, c'est marrant, j'ai comme commencé à avoir une petite idée de ce que va être le gameplay. C'est dit, pupille de la place devrait avoir plus d'étincelles, allons voir. T'as intérêt à garder le rythme parce que je vais pas te laisser ralentir. On va pas en faire des caisses, si ma vieille Gibble me le permettrait, je m'en chargerai maintenant. T'es mes gibbeleurs, fais ce que je te dis. D'accord. La carte? Comment ça, la carte? Oh, c'est stylé comme DA! Oh, est-ce que c'est stylé comme DA? Accessoirement, cet écran nous donne une deuxième information. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est l'information que cet écran nous donne? Cet écran dit quête principale. Si ça dit quête principale, ça veut dire qu'il y aura des quêtes secondaires. CQFD. Cécile quadrille faussement une denture. Je sais pas. Je connais juste l'acronyme, je sais pas ce qu'il veut dire. Bref. On apprend qu'on a 16 éclairs. Et c'est 16 étincelles. Donc s'il répond à la question, effectivement, qu'on a posée assez régulièrement depuis ce matin, non, il ne suffira pas d'une étincelle. Allez mamie, tout le monde sur le fion, pont. J'ai dit quoi? Oui, donc.
C'est quoi boring, je passe devant. Hey! Eh ben écoute, j'espère que tout se passera bien, Gink. C'est classe. Genre c'est toi qui dessine les, qui va dessiner des flèches que tu vas distribuer du coup ou... Ça je trouve ça vraiment génial comme concept. Alors attendez, je veux avoir plus d'infos sur ce dossier là. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos s'il vous plaît? Ah oui oui. Pardon, excuse-moi. C'est un truc. Aïe. Ah mais ça doit être Monsieur Bane ça. Attendez. Tartiner ta gueule. Oui c'est Monsieur Bane. Tu veux un salon qui fête, c'est un an, mais ce serait génial. Bah écoute, je te le souhaite, en tout cas. Il y a des gens à l'intérieur, je pensais qu'il était en cuit, que la menace m'avait rendu fou. Et là tu m'as sauvé, je peux te donner un truc en remerciement. Viens dans l'arrière de mon bateau, j'ai des bonbons, tu... Quoi ? Non, 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 non ! Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Pourquoi l'océan est toujours à l'heure ? Parce qu'il a l'eau courante. Ça doit être la traduction ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, en plus, attendez, je viens de faire une connerie, j'ai les contrôles ne répondent plus. Wait. Je crois que j'ai fait planter le jeu. Attendez, je crois que j'ai une solution pour ça, touche à rien. Je peux avoir une solution. Voilà, on va essayer avec ça. Mais non, faut que je passe les dialogues aux emplettes. D'accord, je peux acheter des nouvelles tenues ou des nouveaux costumes. Ah, Vichy, oui, Vichy, la grande époque de... Non, les carreaux Vichy, oui, pardon. Flower Power, magnifique. D'accord. Bon, vous voulez des pastilles. Est-ce que je peux acheter des pastilles ? Attendez, je vais aller vérifier l'info. Pourquoi on n'offre jamais un café à la marin ? Parce qu'il n'aime pas boire là. Non, vraiment, arrête. Vraiment, arrête, je t'en supplie. Je t'en supplie, arrête. Avec du tie and dye, des écailles... Les pastilles Vichy ! Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris ce que vous voulez dire. Oui. Oh, le cachemire. Le cachemire, c'est classe, hein. Le cachemire, ça rend bien. Les écailles, c'est très joli aussi. Même si, bon... Maison du bonheur oblige, on serait obligé de représenter pour le lobby. Bref, gardons la tenue de base pour l'instant. Comprenez bien que nous... pas en mesure de lutter contre les forces obscures qui tiennent prendre part de ce stream très régulièrement. C'est pas dangereux, je te le promets. Non, je peux voler à la vitesse de la lumière, j'ai des endroits à être, je dois suivre l'arc-en-ciel. Allez, monte sur le pont et... Est-ce que t'as vu maman dans la mélasse? Ah, je t'ai dit de... Je t'ai entendu l'appeler. Sigrid, si tu dis un mot de plus en restant sur ce machin... Le truc avec les rampes et tout, c'est vraiment dingue. Je sais pas trop comment vous traduire ça, parce que c'est encore une fois les sensations de gameplay. Mais c'est vraiment d'une fluidité. Non mais attendez, là c'est carrément le niveau de l'autoroute, ça devient ridicule. On m'avait promis un jeu sous-marin et je joue encore un clown de Sonic le Hérisson. Alors Sonic en mieux non, parce que Sonic Legend était très bien. Faut pas croire ce qu'en disent les journaux. Quand on avait la dent de lion, avant la guerre, à l'époque où ton grand-père était encore en vie, blablabla. Bla bla. La guerre a eu lieu, grand-père est mort.
Avec elle, j'ai vraiment l'impression que mon avenir est déjà dans le passé. Mais l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est vraiment cadeau. Donc... la majorité de ce chat aura la rêve, j'en doute pas une seule seconde. Mais qu'est-ce que non? Mais je voulais aller sur l'autoroute, qu'est-ce que tu fais? La barge volante. La botte secrète des pattes sales durant la guerre. Ah bon? Nous parlerons de cette espèce de phoque un peu plus tard. Non, par contre, ça, c'est le genre de langage qui ne nous intéresse pas. Vous pouvez éviter ça, mamie, parce que là, je... Tu ressembles un peu aux mamies qui écoutent ces news et qui finit sans un procès ensuite. Follow me... Set me free, trust me and we will escape from the city. Pardon. Donc. C'est la place. Et moi-même, je suis dans la place. Bonjour. Alors, je vais venir dans deux secondes parce que ce que vous dites me passionne. Voilà. Mais avant tout, I need them monies. I want that money because I need that new costume. Une cascade, où sont les gens? C'est une bonne question. Englouti en cette satanée menace. J'essaie de réparer tout ça, mais j'ai la difficulté à réparer. Les tours sont toutes fermées, impossible d'y rentrer. Pourquoi tous les gens qui restent sont complètement inutiles? C'est une bonne question. Siggy, essaye de trouver les étincelles qui sont dans le coin. Je vais m'occuper des câbles pour alimenter les tours. D'accord. Enquête d'étincelles. D'accord, nous avons des petits indicateurs sur la carte. Je vais supposer que je dois suivre les petits indicateurs sur la carte. Jusqu'ici, je ne me suis pas paumé encore. Donc c'est plutôt bon signe. Je viens de me jinx. Je viens de me jinx quelque chose de calamiteux. Hein, juste qu'on soit extrêmement clair sur ce qui vient de se passer. Ce qui vient de surpasser, c'est que je viens de me jinx. Alors. Bonjour. Ah oui, d'accord. Ok. Excusez-moi. J'avais pas compris que vous vouliez négocier. Une étincelle, j'avais l'impression d'être dans un drôle de rêve. Est-ce que t'as vu où est passé mon frère Terry? On cherchait de la ficelle pour faire des filets de pêche. J'ai entendu un cri venant de la menace, donc je m'inquiète. Est-ce que tu pourrais le trouver pour moi? Alors, s'il te plaît, hein, ça t'arracherait la gueule déjà, Kevin. C'est hallucinant. On rend service à des gens et la politesse, ça s'est perdu dans ce monde. Et pas des animaux non plus, bordel. Le seul vrai défaut que je reconnaîtrais au jeu pour l'instant, c'est que je trouve qu'il y a un manque de feedback quand on fait des actions. J'aimerais bien juste avoir un petit... Enfin, entendre plus de bruit quand je tape sur des trucs ou des choses comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un manque de feedback assez violent, en fait, là-dessus. Mais à part ça, c'est très très bon. Pour un jeu Stadia, je veux dire. Ah non! Je pensais qu'on pouvait rider sur le câble. Faute. Faute, mais faute de ma part, pour le coup. Pardon, excusez-moi. Petite toux. Ça va aller. La manette, elle vibre et tout. Alors, la manette vibre une chouille. Vibre une toute petite chouille, mais... Alors, attendez deux secondes. Vous savez quoi? Je vais analyser ça une fois qu'on sera posé sur une plateforme un petit peu. Alors, c'est bizarre. La manette vibre quand je saute. C'est-à-dire, quand je retourne, il y a une petite vibration. Mais quand je tape, il n'y a rien du tout. Faudra que je vérifie quand je tape sur un ennemi. Parce que pour le coup, effectivement, les feedbacks sont pas GG. Ce qui est pas gravissime, hein, c'est... There is not de quoi appeler moment at the home, mais quand même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je vais pas pouvoir voler droit vers cette tour. Est-ce que si je plane, ça suffit, ici? Ah oui! Il va falloir faire preuve d'un peu de précision, et ça a jamais été mon fort. Ok. Tout va bien. Je crois que je t'ai pas vu, Kevin.
crois que je te vois pas depuis le début. Je t'en prie. Ah! Motherfucker! Redescends. Merci. Bonjour. Je viens pour l'annonce. Hop. Explorer la zone enquête d'étincelles 1 sur 4. D'accord, donc là c'était juste une étincelle qui se baladait ici. J'ai loupé un truc sur le chemin? Non, j'ai pas pu louper un truc. Son frère est peut-être pas là, son frère est peut-être autre part. Bon. J'avais dit que son frère était là. Hein. Bon. On part ici. Après, là, c'est peut-être là où vous, le chat, vous allez pouvoir m'indiquer si je loupe une référence ou pas. Mais n'ayant jamais fait Wind Waker, parce que je ne joue que aux jeux sortis sur Switch, je ne sais pas si du coup il y a un lien de parenté plus ou moins direct entre ce jeu et Wind Waker ou pas du tout. Si vous voyez ça et vous faites « Ah, en fait, c'est tout repompé de Wind Waker !» Parce que bon... Ah bah c'est Terry. On avait un truc bizarre dans l'eau et puis bon, on a voulu s'en occuper, mais... Vague de menace nous est tombée dessus. Tu as vu toi aussi ce monstre, Joka et moi on va l'attaquer. Il nous faut trois grosses pelotes de ficelle pour faire un filet, est-ce que tu peux nous aider? Oh bah ça tombe bien, j'ai littéralement que ça à foutre. Hein? Chercher du ficelle, de la ficelle pour vous. Ah, il y a une porte mais elle est fermée. Damné de damnation. Dans le 2, il y avait un bateau dragon, certes. Faudrait sans doute que je le fasse en fait. Je suis certain qu'il tourne bien sur émulateur et tout, mais bon. Vous voyez, ça pourrait être une idée, truc qu'on ferait peut-être à l'occasion si on avait un peu le temps un matin en se disant « Ah tiens, on va faire les trois premières heures de Wind Waker. » Je crois pas que c'est très long comme jeu, si on en fait trois heures, on a fait le tour. Je... Enfin, détrompez-moi quoi, mais... Il me semble que c'est un jeu qui se torche en trois heures, ça, de mémoire. Enfin, peut-être 4-5 si je prends un peu le temps. Ok. Donc, là, nous avons ceci. Là, nous avons un chien qu'on va tabasser. Tu veux pas une Wii U avec une Zelda HD qui sort 3 heures sans connaître le jeu? Alors, je serais pas contre, mais je vais pas acheter une Wii U pour faire un stream. Hein. Enfin, remarque que je pourrais faire un stream sur Wii U avec toutes les exclusivités Wii U qui existent à l'heure actuelle et qui n'ont pas été faites sur Switch. Donc, c'est-à-dire... Le remake de Wind Waker et Nintendo Land. Voilà. Donc, non, Zombie U est sorti sur d'autres plateformes en tant que zombie tout court. Mais non, il est totalement sorti sur d'autres plateformes. Donc, non. Xenoblade n'est pas ressorti sur Switch? Et Xenoblade X ou un truc comme ça? Non, c'est un autre jeu encore, ça? Je sais pas, je suis pas, moi. Est-ce que tu as vu Asta en venant ici? Ça faisait autour du rivage. J'ai pas le béguin sur Asta, si c'est ce que tu penses, pas du tout, mais pas du tout. Bref, je veux pas en parler. Ok, les béguins pour Asta. Nanananana. Hop. C'est mou, plus j'ai d'étincelles, plus je vais vite en plus. Peut-être que t'es une sorte de créature marine. J'ai toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie. Une fois, j'ai voulu garder une anguille dans un tonneau. Grand-mère a complètement pété un boulon. Elle criait « Les anguilles, c'est pour manger, c'est pas pour jouer !» Tu imites super bien ta grand-mère, gamine. Je tiens à te le dire. Le doublage français est vraiment chouette. C'est assez rare pour être signalé, mais le doublage français est vraiment cool. J'ai pas l'impression que vous perdez grand chose à vous faire le jeu en français. Bien au con. Hop, excusez-moi, je fais un peu de nettoyage.
C'est important la propreté quand même. Mais oui, Wind Waker, je pense que c'est le genre de jeu qu'il faudrait que je fasse une fois pour ma culture personnelle au moins. Mais en même temps, j'ai pas une Nintendo 64 et j'ai eu une GameCube sur le tard. J'ai loupé énormément de choses quoi sur ma culture vidéoludique. On est passé de la Nintendo 64 à la GameCube, hein, juste deux secondes. J'en oublie pas une ? Non, j'en oublie pas une. On est passé de la Nintendo 64 à la GameCube, putain, mais le step-up quand même ? Non, j'en oublie une ? Non, j'oublie personne. Parce que j'ai... Alors, ça me paraît con, hein, mais c'est... J'ai l'impression qu'il y a une telle différence de niveau entre les deux consoles en termes techniques que ça me paraît absolument dingue qu'on soit passé de ça à ça, en fait. Tu as la GameCube grise du pas spécial, mais tu as pas de jeu. Ah, salut Deadly Scorp. J'ai lu quoi, d'ailleurs, ce matin ? Alors... À vérifier, hein, je pense que surtout Sinel, qui est l'âme vivante du jeu vidéo. NES, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, oui, ouais, c'est ça. Que on est maintenant à la même distance que la Wii était à sa sortie de la Super Nintendo. À vérifier si c'est pas des conneries, mais il me semble avoir entendu ça. Vous savez, la Wii, le rétro gaming, quoi. Ah, 3 sur 4, d'accord. Je suis en train de me balader, je me fais même pas gaffe. Donc le dernier est par là. Qu'est-ce que c'est joli ! Qu'est-ce que je viens de me jeter du 28ème étage sur le sol et que je devrais être mort ? Ah oui, c'est parce que j'avais oublié ça. Donc je pouvais pas aller dans l'eau directement, j'avais oublié ce truc d'abord. C'est logique. Je dis réfléchissez. Deux. J'aime vraiment la DA. Et la musique est vraiment très sympa aussi. Musique visiblement dynamique vu que c'est marqué sur le menu d'intro du jeu. Musique par Nile Rodgers. Non, je déconne. Pardon, excusez-moi. Donc. Ça y est, chic, good times, get lucky. Donc. On revient toujours pas. Et puis qu'on ait fait le jeu en stream et que le lendemain ou le surlendemain, il y a eu une annonce comme quoi ils avaient perdu le procès avec les créateurs de Cooking Mama et que du coup ils devaient retirer tous les exemplaires du Cooking Mama Cookstar de la vente parce qu'ils avaient jamais eu les droits en fait. Bref. Joel Billy. Qui a fait quoi d'autre comme musique ? Parce que je ne connais pas du coup. Ah, je crois qu'il veut qu'on aille par là. Je crois qu'il veut qu'on aille par là. Ah, bonjour. Do you want to négocier ? Do you want to négocier by big coup affilé into your grande gueule ? Ouais, je suis bilingue. Ça impressionne. J'ai fait des business schools. Alors Dieu sait que normalement il y a une chose à laquelle je suis plus ou moins une quicha, c'est la platforming en 3D. Et là, ce coup-ci, dans le jeu, je me débrouille plutôt bien, était la phrase que j'avais prévu de finir. Stick It to the Man et Ghost Giant. Alors Stick It to the Man, je m'en souviens, mais je m'en souviens pas forcément pour les musiques. Ghost Giant, par contre, ça ne me dit rien, mais c'est pas très grave. Squeak. Squeak. Merci beaucoup. Donc,
Bonjour. Allez, on monte doucement. Prudemment. Merci. 4 sur 4. Et remplir le réservoir étincelle. Par ici. Wouhou. Wouhou. C'est tellement agréable, bordel. Pardon. Excusez-moi. Oui, la musique qui gagne en intensité à chaque fois qu'on a récupéré un truc. Et là, ça s'entend parce qu'il y a la batterie, les percussions qui sont rajoutées. Hop. Tu as pris ton temps. Ah, mamie, avec tout le respect que je dois à ton grand âge, je t'emmerde un peu quand même. Donc... Ben écoute, bisous ton rôle. Et bonjour Boris. Et ce soir chez Boris, c'est soirée raclette. Donc, est-ce que j'ai encore un peu à boire? Est-ce qu'on reprendrait pas un petit peu à boire? C'est une bonne idée. Pas mal d'énergie à l'air d'ouvrage. Rugirie, cueille son fourrage. Faut qu'on aille sauver le maire. Très bien. Peut-être que je vais suivre. Il y a des canons et étincelles qui fonctionnent dans le coin. Ça devrait nous débarrasser de la menace. Un seul en haut des tours. Forcément, il est en hauteur. Trouvez le canon. En route. Ben, cette saison. D'accord. Hoi, 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 hoi. C'est qui ce grand type en pierre? C'est Pierre. C'est le docteur Thelonious. Avec ce que je t'ai appris, tu dois savoir qui c'est. C'est Pierre, mais je crois que son pseudonyme, c'est Rocher. Il a découvert la tisse-roche. Et comment l'utiliser? Souviens-toi, grâce à lui... Bonjour. ...le pêcheur a pu devenir une métropole. Aïe. Dommage que le fruit de son travail est fini comme ça. Alors, il y a une petite vibration quand tu tapes sur un ennemi. Ah, c'est Monsieur Nelson. La grand-mère, c'est mon faible, mais Nelson, c'est mon... Non, vraiment, 10 ans. Cette année, c'était peut-être l'année de trop, avec le recul. Il faut peut-être que j'arrête. Donc, tout est devenu noir et qui... Oui. Pepsi Grey, la petite fille de Doris. Ça fait une éternité que je t'ai pas vue. Qu'est-ce qu'elle est devenue en 15 ans? Super sexy. Trompe, tu es venu essayer dans un bateau comme c'est étrange. Pas t'en demander plus, ces fameux oignons. Est-ce que tu pourrais m'aider? Tout à fait. Je cherche des bricoles pour mon fils. Quand la menace est arrivée, il travaille à l'émetteur à étincelles. Il m'a envoyé récupérer 4 marteaux. Un pour chaque main. Quoi? D'ailleurs, je te vois à l'arrière. Je crois pas que je te vois pas. Je te vois très bien. Je suis pas si bricoleur pour un sou, mais je sais ce qu'il fait. Est-ce que tu pourrais m'aider? Oui. Mais d'abord, ce qui vaut la police dans ta face. Vous voyez que ce que je vous dis quand je vous dis que ça manque de... d'impact, c'est quand on tape un ennemi, j'aurais imaginé au moins un petit splaf ou un truc comme ça, quoi. Là, il n'y a aucun feedback, en fait. Par contre, la musique, parlons-en. Hein. Ok. Martel Spotted. Martel Spotted. Tout va bien, j'étais en confiance. Je n'ai jamais douté. Vous vous doutiez, vous dites il va tomber dans le vide ce con. Moi, solide dans mon slip. Aujourd'hui c'est du microfibre, c'est pas pour rien. Non ! Solide dans mon slip. Jamais douté une seule seconde. L'issue ne pouvait être que positive. Martel, mais celui-là il commence à devenir un peu haut de saucisse à attraper quand même. Je connais une finir bis. 127, ça va commencer à devoir acheter des trucs hein, tout doucement. Ah
Non mais j'arrive. C'est pas la peine de descendre, c'est moi qui monte. Vous n'embêtez pas. Je... Voilà. Comme ça, on s'arrange. Vous emmerdez pas. Et marteau numéro 4. Quel talent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok. Aïe ! C'est un des meilleurs feelings sur un jeu de plateforme que j'ai eu depuis très longtemps, en fait. Et encore une fois, hein, la plateforme 3D, normalement, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas spécialement, mais là, le feeling est excellent. Bon, allez ! D'accord, c'est un bass. Est-ce que j'ai un dodge ou un truc comme ça? Oui, j'ai un dodge. Pourquoi je m'en sers pas? Parce que je viens de savoir que j'ai un dodge. Ah, et ça c'est attaque légère et ça c'est attaque lourde. D'accord, je viens de comprendre que j'ai plusieurs touches sur la manette. Et Varon, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que oui, c'est une sorte de position sur un pied. Je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, mais non. Attaque légère, attaque lourde, le dodge. Très bien. Je peux doger. Aïe! Zbla! Le pour. Petite animation sur la fumée, la façon. Façon dessin animé CHBD, tellement classe, bordel. Oui! De toute façon, les positions de tir, c'est vrai. Non, pas comme ça. Peut-être exactement comme ça. C'est pas clair, mais j'ai un projet. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Je me demandais pas de me faire confiance si j'avais pas une totale et absolue certitude que je prends la bonne décision. Non, alors ils ont dit que c'est entre une demi-heure et une heure et demie selon la vitesse à laquelle vous allez et selon à quel point vous essayez de compléter tous les objectifs additionnels, etc. Vous êtes entre une heure et une heure et demie, bref. À première vue, c'est bon. Et ils ont dit la partie streamable, comme dit, s'arrête à un point très précis. Deux secondes, je viens de louper un truc en bas. On descend. Ou soudainement l'écran devient très très sombre, vous pouvez pas la louper. Mais c'est-il passé? Il paraît que les pas de salle sont de retour, quoi se défendre comme une neige. J'ai récupéré ma hache. Et que ça va pas être possible. J'ai un temps perdu, mais est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît? Je sais plus quoi faire maintenant. Oui, bon, je vais trouver ta hache, Kevin, si j'ai vraiment que ça à foutre. Si je vois une hache, tu seras le premier prévenu. Alors. Tu lis pas le journal? Non, rarement, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'actu, moi, ça me... Enfin, je trouve ça un peu déprimant, quoi, donc je lis Libé de temps en temps, mais vraiment, juste, voilà, quand il y a des trucs... Tu veux dire dans le jeu? Oui, c'est vrai que je pourrais lire le journal dans le jeu, mais bon... C'est un peu beaucoup de lore et on a quand même beaucoup de jeux à faire. Bisous Gink. Par contre, c'est quand même bien illustré ce petit journal. C'est vrai que les dessins sont très marrants. Ah d'accord, et tu as des petites présentations pour les différents personnages que tu trouves et ceux que tu as trouvés. Moult lore, pour ceux qui aiment les lore. Ah, peut-être que je lui ramène ses... Peut-être au bout d'un moment que je lui ramène aussi ses marteaux à l'autre. Et on est d'accord du coup que, oui, quête principale, quête secondaire. Cette musique un peu... Funky Jazzy Swing, là. Funk Master Flex, The Big Dog qui coule. C'est bon, on l'a jamais retrouvé, la hache de l'autre. C'est vraiment pourquoi j'ai 9 commandes d'uptime maintenant.
Je suis certain que si je partais dans la direction que je voudrais que je parte, ça pourrait être justifié, puisque là, je sens qu'on va rencontrer de nouveau El Tol. Non, on ne va pas rencontrer El Tol. J'ai cru. Je vais vérifier si on trouve une hache sur le chemin. Soyons un minimum prudents. Par ici. Baissons précautionneusement. On va louper un truc important. Bonjour les sans-cœurs et les séminis. Il est que sur PS le jeu. Alors je vais aller regarder le petit blurb qu'on a après, mais j'ai pas l'impression. Je vais aller jeter un œil juste après. Voilà, bonjour El Tolo. Spla! Regardez à quel point le combat avec El Toro a été géré à la magnificence. À la beauté, à la douceur, mais à la fois à la légèreté, mais à la fois à la violence. Qu'est-ce qui se passe là en bas? Deux secondes. Calme-toi, Kevin. Calme-toi, j'ai l'impression qu'on loupe des trucs. Parce que déjà, ça, c'est à moi. Ça tombe bien. On a récupéré quelques sparks de plus. Toujours s'assurer qu'on loupe rien. Hein. J'ai pas l'impression. Ok. La mort venue des cieux! Ok. Ça fait, c'est bien, ça fait toujours une belle ambiance. Et est-ce que je peux faire? Ah, je peux les choper en fait! D'accord. Ok, très bien, c'est une info. Je peux choper les trucs à distance. C'est bien de l'apprendre maintenant. Ça peut avoir une importance un peu plus tard, je vais supposer. On a toujours pas vu cette fucking hache à l'autre. Tristitude. Tristitude, mais tout rire bien. Alors. C'est vrai que la DualSense, c'est une excellente musique. Très objectivement, c'est une excellente manière. Oui, Kevin. Et Clems. Dans une cascade où je suis, qui es-tu? Madame Clout. Tu es ma mère? Exactement, mon enfant, c'est mon petit garçon adoré. Tu es la mère du maire? Ou est-ce que tu es la grand-mère du maire? Et Clems, cet endroit, je cherche un canon étincelle, j'ai besoin d'un site de forage, trouver votre fils. Elle a sauvé de la menace? Oui. Canon est juste là. Ce sont les reliquats de la guerre, tu sais, on s'en servait pour protéger les pattes. Oh, mon fils, il s'est rendu là-bas pour protéger les citoyens, mais il a besoin qu'on le protège aussi. Du coup, si je sauve le maire, est-ce que... Ouh, une tête de cheval. Enfin, d'hippocampe, du coup, je suppose, plus. Du coup, si je sauve le maire, est-ce que ça fait de moi le maire? Je veux dire que c'est comme ça que ça marche, non? C'est propriété transitive, tout ça. Look at me, I'm the captain now, tout ça. Enfin, ça paraît logique, non? Champ de forage, est. Fais attention, une ombre gigantesque rôderait sur la surface de l'eau. D'accord. Alors, avant de faire ça, laisse-moi un peu de toi avant de partir. On va déjà ramener les objets. Juste pour voir ce que ça débloque. Wouhou. Hey! Bien. Bonjour. Quatre marteaux que tu as l'air. Oui, vous avez deux anges. Heureusement qu'il peut manier que moi. Si tu as besoin de conseils, tu peux compter sur moi. Conseil pour investir. Ah, tu me donnes ça en retour.
Très bien, merci beaucoup, madame. Bon. Alors, attendez deux secondes. J'arrive. J'arrive, touche à rien. Faites comme si ce stream était réalisé par un professionnel au sommet de son art, puisque c'est le cas. Je vais juste aller ouvrir la page pour m'assurer que je vais pas faire de conneries. Parce que je me connais. Zbuit. Hop. Alors. Ça sort le 7 décembre. D'après ce que j'ai. Ça sort sur PlayStation, Xbox, Switch, PC. Donc Xbox One et Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5. Alors, j'ai un gros truc en haut de la page qui me dit que ça sort le 7 décembre, et il y a un grand truc en petit sur la page qui dit que ça sort le 12 décembre, donc c'est compliqué. D'accord. C'est... J'ai l'impression qu'ils sont pas d'accord entre eux. Je n'arrive plus à voir exactement où il faut que je m'arrête. Attendez, si je regarde peut-être là-dedans, je vais trouver l'info. Si je fais ça... Non. Très bien. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ok. Je crois me souvenir qu'il y avait marqué clairement « Arrêtez-vous à un moment où l'image devient très sombre, vous pouvez pas le louper. » Et j'ai un peu peur que ce moment arrive maintenant. Oh, au fait, j'ai rencontré la maman du maire. Cordélia, elle et son mari dirigeaient la dent de Lyon. J'ai Dame travaillé avec eux pendant Coquille. Des années. Celle-là, elle est pour moi. Elle n'est pas pour vous, elle est pour moi. Donc. Ces champs de foreuses qui remontaient la Détroit toutes les nuits. Ça passe. Un spectacle extraordinaire. On entendait ce bruit sourd jusqu'à la place. C'était comme une berceuse. Comment ça marche? Enfin, comment vous faisiez pour extraire les étincelles de la tisse roche? C'est un processus complexe, ma crevette. Eh bien, en gros, on mettait la tisse roche dans un démêleur. Les étincelles et la mélasse étaient séparées avec prudence. Puis les étincelles qui, étaient envoyées à la dent de lion, fournissant tout. Oui, je pense que c'est ici. Et la mélasse, alors? Je pense clairement que c'est ici qu'il fallait qu'on arrête. Bon, on va arrêter là, du coup. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que là, l'image devient plus sombre et que j'aurais du mal à le rater. Quand ces satanés pas de sale ont fait exploser la dent de lion, toute la mélasse... Oui, c'est ça. Champ de forage, oui, c'était ça. Bon. Et ces fripouilles... Bah du coup, ne faisons pas les bêtises, on va arrêter là, pour le coup. C'est Wavetale, ça sort d'ici quelques jours. On va dire ça, hein. Sur globalement absolument tout, sauf Stadia. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être déçus. Steam, c'est marqué 12 décembre. Bon, bah, on va dire que c'est marqué 12 décembre, alors. Parce que, visiblement, le jeu a pas l'air super d'accord avec lui-même. Mais 12 décembre, ça a l'air très très sympathique. Un jeu que je n'avais absolument pas dans le radar avant ce matin, et maintenant je suis en mode « Hey !» Fort sympathique, faudra sans doute qu'on y revienne. Voilà. Très très cool. Bref. Au revoir YouTube, bisous, à plus tard.